Seigneur, notre Dieu. Ils sont en pleine réception. Donc, mon instrument que j'ai, c'est la voix. Voilà. Voilà, mais justement, ce programme a été organisé parce qu'il y avait un besoin très énorme. Mon ministère, c'est vrai qu'il est basé en Afrique. Il est basé en Afrique. Je suis là parce que Dieu voulait que je sois là. Après le programme de Paris, on a senti le besoin parce qu'on n'a pas eu l'occasion de parler avec certaines personnes. Et du coup, dans la salle, j'ai senti qu'il y a des personnes qui voulaient quand même avoir un entretien. Et du coup, j'ai dit, il faut que les choses soient organisées. Mais c'est ce que vous devez peut-être comprendre ou savoir, c'est que par moment qu'on organise, vous ne savez pas où l'argent sort pour organiser un programme. C'est ça. Vous voulez que les programmes soient organisés. Vous voyez, quand on parle de Dieu, les gens voient la gratuité partout. C'est vrai que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est coûteuse. C'est-à-dire, aller évangéliser, c'est coûteux. Il faut prendre l'avion pour venir, c'est l'argent. Air France ne connaît pas prophète Crasson. C'est pas CFA, c'est héros. Ou bien des dollars et tout ça. Non. Vous comprenez? La salle, la femme qui a la salle ne connaît pas l'étiquette macade pastorale. C'est son argent. Voilà. Ce n'est pas une question de... Dieu a dit dans la Bible, elle va te dire, je m'en fous de ce verset. Ça ne me dit rien. Moi, ce verset, j'ai besoin de mon argent. OK. Pour vous informer, peut-être que d'autres ne savent pas, le programme que j'ai eu à Paris, c'est moi qui ai payé la salle. Et ça, je vous ai même donné l'information en salle. La salle m'a coûté 3500 euros. J'ai quoi? J'ai vu que par la grâce de Dieu. Vous comprenez? Je suis l'homme qui a plus de charges. Je m'occupe de 1000 enfants en Afrique. J'ai un orphelinat. Il y a des enfants qui sont dans les situations difficiles, qui sont dans les familles, que nous sommes en train d'aider. Parce que Dieu, c'est le partage. Moi, j'ai compris. Dieu, ce n'est pas entre les quatre murs. Dieu, ce n'est pas, non, j'ai pris ma Bible. Non, Dieu, c'est dans le comportement et de l'amour qu'on manifeste chaque jour pour son prochain. Voilà, donc, c'est vrai qu'on est homme de Dieu. Mais quel est le fruit qui se dégage? C'est l'amour. Nous avons des enfants qui sont là. Et tout ce mois de décembre, j'ai dépensé plus de 10 000 euros. Hein, parce qu'il n'y a plus de charges en Afrique. Voilà, j'ai plus de charges en Afrique. OK. Il fallait payer la salle à 3500 euros. Si on vous demandait de cotiser, vous allez voir ça en sorcellerie. Parce que les gens, ils sont prêts à critiquer. Mais ils ne sont pas prêts à aider. OK. Donc, puisque c'est vous qui voulez qu'on relance la chose... Moi, je suis épuisé financièrement. Voilà, je suis épuisé financièrement. Donc, on a dit, bon, OK, quand c'est comme ça. C'est vrai que j'ai dit, il y a demandé à un frère d'organiser, mais le frère, je ne le connais pas. Je ne le connais pas parce que je ne le connais pas. J'ai lancé la chose comme ça. En même temps, j'ai dit, mais j'ai hésité un peu parce que, ce n'est pas parce que je ne fais pas confiance, mais j'ai tellement vécu des choses à Paris ici que je suis devenu très prudent. Et quand j'ai fait un programme à Paris, ça avait beaucoup de prudence parce que les hommes sont très méchants et mauvais. Ils sont prêts à critiquer, ils ne sont pas prêts à aider. Ils ne voient pas l'essentiel, ils ne voient pas le sacrifice qu'on fournit pour apporter un soutien spirituel. Nous, on ne dort pratiquement pas. On ne fait que réfléchir. Le cerveau que j'ai, ça réfléchit ici. C'est le monde entier, l'Afrique, l'Europe, les États-Unis. Vous ne savez pas combien de fois je reçois des messages. Il faut prier. Mon quotidien, c'est ça. Je ne vis que pour les autres. Vous comprenez? Je fournis d'énergie physique, spirituelle. Et c'est comme ça mon quotidien. Mais oui, parce que je suis appelé à ça. C'est ça, c'est le métier. Ce sont les risques du métier, c'est comme ça le métier. Voilà, donc,
Le frère, et puis on a compris, j'étais en Suisse. En Suisse, elle-même qui est juste derrière la caméra, elle a eu une fatigue générale. Quand elle s'assoit pour se lever, il faut 15 minutes. C'est ce que vous ne savez pas. C'est du bénévolat. Elle travaille. Elle est aide-soignante. Vous comprenez? Voilà. Ah non, 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 non. Je vois souvent les gens parler au téléphone. Puis souvent, ils disent, je prends le téléphone pour dire pardon. Parle moins parce que la personne à qui tu es en train de parler, hein, on la paye pas pour ça. Hein, sois peut-être très courtois quand tu parles à la personne. Elle te donne une explication. Elle te donne, tu veux qu'elle explique tout. Tu viens à une croisade. Est-ce que tu peux avoir dormi? C'est pas toi qui es logé. J'attendais les gens qui disent, ah non, je viens à la croisade de Paris. Est-ce que quand vous finissez à 1h du matin, vous pouvez me loger? Mais ici, c'est pas chez nous. On fournit déjà trop de sacrifices pour venir loger chacun d'entre vous. C'est difficile. C'est difficile, vous voyez, pour apporter de l'aide. On a eu quand même la condition. Le frère, si on dit au frère, cotise, moi je ne le connais pas. Ok? Donc j'ai compris. On a commencé à appeler les gens pour dire, mais nous voulons faire des choses, on n'a pas les moyens. Et c'est les gens qui ont même dit, faites cotiser les gens. Donc on a écouté 2 ou 3 personnes. C'est la première fois où j'ai fait cotiser les gens. Oui, parce que ce n'est pas une croisade proprement dit, n'est-ce pas? C'est une question d'écoute et prier pour vous. On aura l'occasion de vous écouter, prier pour vous. Mais si vous voulez créer la chose, c'est vous qui devez mettre la main dans la poche. Oui. Parce que vous êtes prêts à financer votre télévision, les chaînes de télévision sur Internet, qui ne font rien même. Excusez-moi pour le mot. Hein. Mais nous sommes en contact avec vous. Ça, c'est un contact physique, ce n'est pas la télévision seulement. Nous, on a le contact physique avec vous. On a le temps de mater vos esprits. Voilà, pour ça, les gens font des appels à télé. Oh, cotisez pour notre télévision. Nous sommes sur une chaîne web, une chaîne de télévision. Ok, on cotise pour la chaîne de télévision. Mais c'est vrai qu'elle vous apporte l'éducation. Je ne banalise pas plus ça. Mais nous, on est plus en contact avec vous. Moi, je n'ai jamais, quand je consultais l'orphelinat de Divo, je n'ai jamais fait une annonce sur l'Internet. Regardez bien mes vidéos. Je n'ai jamais dit aux gens, cotisez parce que je suis en train de construire l'orphelinat. J'ai fini, je vous ai montré l'orphelinat. J'étais aux États-Unis quand j'ai demandé aux gens d'acheter mes CD. Parce que si vous achetez mes CD, ça va contribuer à m'aider à construire l'orphelinat. Ça m'a coûté 27 millions. Je n'ai jamais fait d'annonce sur Internet pour dire donnez-moi de l'argent parce que je suis en train de construire l'orphelinat. Si vous voulez, prenez la dernière et la première vidéo. Vous allez écouter. Je n'ai jamais fait d'annonce. Parce que Dieu m'a mis à cœur de construire l'orphelinat. Je l'ai fait. D'abord, j'ai vendu ma voiture pour construire l'orphelinat. Donc, moi, je sais ce que j'ai fait. Je sais comment j'ai. C'est pour ça que je suis pas à Abidjan. Je suis à Divo. Beaucoup de personnes m'ont proposé combien de fois me prendre des terrains, m'acheter des terrains pour construire la plus grande église d'Abidjan. J'ai refusé. Vous comprenez?